sens de la célébration de la journée du diabète n'est rien d'autre que de rehausser le niveau de connaissance de la population par rapport à la maladie, afin qu'on enregistre moins de diabétiques, c'est-à-dire inverser la tendance à Saint-Louis, qui est de l'ordre de 10,4%. Nous nous souhaitons le ramener cette prévalence au-dessous de 5%, de 1. Et la deuxième utilité de cette journée, c'est également de rehausser le niveau de connaissance des diabétiques afin qu'ils puissent vivre avec leur diabète, parce qu'on ne peut pas éviter le diabète, on ne peut pas éradiquer le diabète dans le monde, mais on peut avoir le diabète et vivre avec cette maladie sans aucune complication. Donc en gros, l'objectif c'est ça, rehausser le, parce que vous savez, à Saint-Louis, c'est un cas spécifique, nous avons un taux très élevé et qui n'est pas normal, parce que là où on a enregistré 3%, 4%, Saint-Louis pouvait avoir ça. C'est-à-dire donc, il faut essayer de voir les excès chez nous et les diminuer, les écarts. Et nous avons de mauvais comportements qu'il faut corriger pour faire de sorte que nous ayons la même prévalence que dans les autres localités. Le taux de sédentarité est de l'ordre de 56,2%. Et vous savez, la sédentarité est facteur de sous-développement, est facteur de diabète. Et il y a l'obésité qui occupe 48%. Donc il faut conseiller les populations, leur dire que c'est un facteur de diabète, l'obésité, il faut éviter. Également, il y a la dépigmentation. Ici, vraiment, nos femmes s'intéressent beaucoup à cette dépigmentation qui est au détriment de leur santé et plus particulièrement le diabète. C'est pour cela que ce sont des comportements qu'il faut corriger. Et également, à Saint-Louis, je ne sais pas, c'est parce que c'est la proximité avec la Mauritanie. Nous aimons le sucre, enfin, nous mangeons trop sucré, trop salé et trop gras, c'est-à-dire nous mangeons mal. Et pour cela, il faut faire des efforts pour inverser la tendance et essayer d'expliquer les gens les risques qui sont dans ces comportements. Le mieux, c'est d'avoir une hygiène de vie et pour éviter le diabète et les autres maladies cardiovasculaires. Lui, parmi nos problèmes, il y a un problème qui n'est pas sous notre responsabilité, c'est-à-dire les guérisseurs. Pas uniquement les guérisseurs, mais les guérisseurs dans les médias. Vous savez, nous avons beaucoup de complications. Tout de suite, le docteur Seck l'a dit, il faut saisir le procureur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je me dis que le procureur, c'est un Sénégalais. Ça m'étonne que cette personne n'ait jamais entendu ces publicités. Et le préfet également. Moi, Doudou Diop, je ne peux pas me lever demain, dire à un guérisseur de ne plus faire une publicité. Je ne peux pas aller dans un média dire au directeur de cette station ne fais plus passer ça. Mais tandis que le procureur en une semaine, le préfet en une semaine, ils peuvent interdire ces pratiques qui sont au détriment de la population. De sorte que voilà, depuis que ces chiffres ont été publiés, nous avons constaté à Saint-Louis, vous êtes tous témoins, une ruée des guérisseurs à Saint-Louis. Une ruée des guérisseurs, des publicités mensongères, des publicités qui sont liées à la santé, qui est interdite même à un professeur spécialiste. Vous n'avez jamais entendu un chirurgien dire à la télé, à la radio, je suis le meilleur chirurgien, je peux faire telle chose en 15 minutes. Mais là, on n'accorde pas ça à un spécialiste. Pourquoi l'accorder à un guérisseur? Si un médecin se chargeait aujourd'hui de faire une usurpation de fonction, en 15 jours, il sera puni. En 15 jours, il sera délogé. Donc moi, je préfère laisser un infirmier mettre la casquette d'un médecin usurpé que laisser un guérisseur continuer à tuer les personnes. Voilà, ça c'est un problème que nous déplorons et nous espérons et nous souhaitons que ça va se régler. Il suffit que le préfet réagisse ou bien le procureur pour que ces publicités mensongères cessent. Il suffit tout juste de faire passer cette loi. La technique de faire la transplantation, vraiment c'est acquis et nous avons des professeurs ici qui peuvent. C'est un problème politique et là également nous interpellons l'État et les politiques pour qu'ils fassent quelque chose pour quand même nous pouvons vivre comme les autres, et pour que les insuffisants rénaux puissent vivre aisément comme les autres. Et pour ça, il faut impérativement, et l'unique solution, c'est la loi sur la transplantation rénale. Vous pouvez guérir dans les dents d'église sur radio communautaire. Ñu dem ba sa yag nga len di déglu ci radio à haute fréquence bobu ñamé wuñu won bañu xamé ni ñañu don tit moy les autorités réagiruñu
légui ñing ci télé té li guérisseur bi def jangou ko xamou ko bis bu ko médecin defone tay mu fanani kasso bu nit taxawon nan man je suis un médecin ma ngi sama diplôme légui mu fanani naka lañ kay accorder lé un guérisseur té koku ñun dafa melna moy lima wax dañ ñu eufel parce que man mi diabétique la je suis un insuffisant rénal en sursis de sorte que lima mëna dimbali moy ñu protéger ñu moy ñoo ñu eufel té ñu upp ñu doolé moy les guérisseurs wax deug yoon dox suñu digënté ak ñom bu fekké amna loi té amna loi 8320 bu téré toute publicité liée à la médecine mais ñu téré len ko la médecine traditionnelle waxuma ko kenn mënu ko téré mais diabète kenn mënu ko fajj ñom li ñu mën moy yok wërëdi nit ki ba paré def ko fonds de commerce parce que boba dañu lay jël en otage.